Coucou tout le monde, c'est Finkzibaldos, on se retrouve dans cet dernier épisode sur le Seigneur des Anneaux, la Guerre de l'Anneau. La dernière fois, souvenez-vous, nous avions fini les falaises grises, et aujourd'hui, nous nous attaquons au siège des collines de fer. Les nains font couler le sang des orques depuis plusieurs siècles, les ayant affrontés dans plusieurs guerres importantes. Une nouvelle bataille est sur le point de commencer. Les orques venus de l'ouest assiègent la porte de Thorin, l'entrée des collines de fer. Le roi sous la montagne a fait sortir les siens des mines pour défendre leur royaume. Menés par Gimli, fils de Gloin, les nains comptent terminer la construction d'une arme ancestrale pour se débarrasser des orques. Eh bien, allons voir quelle est cette arme ancestrale. Donc nous sommes encore du côté des nains. Les orques pullent encore... Le roi sous la montagne nous demande de repousser l'envahisseur orque. Les orques ont assiégé la porte de Thorin pendant presque un an et ont presque réussi à passer. Ils ont des campements fortifiés au nord des montagnes. Mais ne craignez rien, j'ai un plan. Après la bataille des 5 armées, la famille de Thorin ordonna la construction secrète d'une arme prodigieuse. Le but était d'empêcher toute invasion orque dans ces collines. Hélas, cette arme ne fut jamais terminée. Nous devons retrouver cette arme et terminer sa construction. Nous devrons défendre nos ouvriers, mais la première chose à faire est d'augmenter nos effectifs. Les orques ont pris possession des réserves voisines de minerais et d'eau. Reprenons-les et installons-y notre camp. Alors, établissez un campement, détruire l'expansion des gobelins, construire une forteresse, construire un hall des guerriers et 10 000 de service. Très bien. Alors oui, justement, en parlant de ça, parce que j'ai regardé hier soir le Hobbit 3. Oui, alors la famille de Thorin a survécu parce que... La famille de Thorin a survécu parce que Thorin avait une sœur qui s'appelait Dis. Voilà la mère de... Justement la mère de Fili et de Kíli. Et elle a survécu et c'est... Je pense que c'est parce que je sais pas si ça a vraiment été... dit par Tolkien, vraiment été... Voilà, mais... Alors par contre... Mais... Ils sont en train de se faire massacrer. Est-ce qu'on va réussir à faire des trucs? Parce que là j'ai plus que 2 lanceurs de hache. On va s'attaquer directement à ça. Avec plaisir. Bon, c'est Gimli qui tank. Voilà, et donc du coup oui, je sais pas si ça avait été décidé par Tolkien. C'est pour ça que la famille de Thorin après la bataille des 5 armées a décidé de faire une arme ancestrale. Je n'en ai aucune idée. Mais juste pour dire que c'est cohérent parce qu'il restait de la famille. Il restait la famille de Thorin. Moi je n'ai connaissance que de la sœur de Thorin. Les ondes de choc permettent d'étouffer les unités. Ah oui, mais j'en ai pas besoin là pour l'instant. J'avais pas un truc qui permettait de... Ah non, je prends le contrôle d'une tournée. Oh, ça a tellement pu m'aider ça. Oh, quel combat, je me suis chité dans la bataille. Du coup il y a... J'ai mené... J'ai mené des hommes à la mort. Oh là là. Bon bah c'est pas grave. Enfin c'est pas grave. Quand même. Oula. Et Gimli, t'as bien pris dans ta tête. T'as bien pris dans la tronche toi. Je suis prêt. Ouais, c'est sûr qu'avec tout ça on n'y arrive pas vraiment. Mais il y avait pas un truc pour détruire les bâtiments, non? Je pensais. Ça va être très très long. Très long. Allez, continue. Voilà. Bah normalement c'est la dernière structure. Après on aura le puits d'eau et les mines de fer. Donc ce sera pas mal. On pourra commencer à faire un petit campement. Et du coup construire une forteresse, un hall. Et trouver cette arme ancestrale pour pouvoir détruire les orques qui siègent au-dessus de la porte de Thorin. Gimli présent. Alors, un objectif a été atteint. Ah, on a... Wow, on a 4 multipliés. Alors, j'attends. On va commencer par le moulin. Merde, à chaque fois je me plante. Je m'y rends. Parlez. Oui. Et ça, c'est la forteresse du coup. Nous allons mettre. J'y vais. Ah non, non, non. Très bien. Je m'y rends. Je m'y rends. Je m'y rends. Putain des wargs. J'attends. Je m'y rends. Parlez. Oui. C'est pas vrai. Alors, on va les mettre devant. Je suis. Attends, mais je viens à peine d'arriver et ils me mettent déjà des wargs sur la tronche. Oui, je suis occupé. Allez, je suis occupé. On fera après parce que là c'est. Il faut absolument cette forteresse. Ensuite les mines de fer. Faut que je fasse d'autres ouvriers, des tours de siège. Et là-bas j'ai deux. J'essaie de fortifier ce petit campement, ça fera un petit intermédiaire. Et ça pourrait m'être utile du coup. Ah là ça avance nettement plus vite. Ah et du coup j'ai perdu. Ouais j'ai perdu mes deux trucs. C'est pas vraiment. Bah si du coup ça s'est soustrait au. Ah dommage. Bon bah du coup ouais, c'est bof. Bâtiment terminé. Ouais. Un objectif a été atteint. Quoi? Très bien. Hop. Du coup, un, deux. Où est le combat? Voilà, du coup, alors ça se fait tranquillement. Mon premier ouvrier s'occupera du coup de. Oh. Ah, donc ils vont envoyer des wargs à chaque fois. Il nous faut. C'est un hall, c'est ça? Le hall des nains, d'accord. On va le mettre directement ici. Merde. Très bien. Hop, un hall. Pareil. Qui va l'aider, et ensuite les tours, on commence à les faire. Limite, est-ce que je m'en fais pas deux autres? Je vais m'en faire deux autres. Bâtiment terminé. En fait, je vais en faire quatre autres. Pareil. Oui, très bien. Comme ça, on accélère les productions, les acheminements de production. Bâtiment terminé. Excellent. Pareil. Désormais, nous n'avons plus qu'à trouver la vieille arme et à terminer sa construction. Quoi? Exactement. Si ma mémoire est bonne, l'arme devrait se trouver vers le sud-ouest. Le sud-ouest. Un objectif a été atteint. Bon, on ira. Alors, faut juste. Ouh, des nouveaux trucs. Trouver la cataplulte ancestrale, déterminer les réparations, d'accord. J'attends. Merde. Il y en a trois. J'attends. On va les garder. Voilà, on va juste en prendre trois. Ouais, on va te mettre ici. Pareil. Oui, très bien. Aussi. Et je n'ai plus du tout. Je peux plus rien faire, d'accord. J'ai pas assez de fer. Super, superbe. Pour ça, il faut quoi déjà? Une forge. Ah, nice. Ah oui, mais pour la forge, il faut que je passe ça au niveau supérieur. Aïe, 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 aïe. Donc il me faut quand même plus de fer. Oui. Bon, allez, hop. J'y vais. Du coup. Bâtiment terminé. On va quand même les mettre. Quoi? Très bien. Oui. Du coup. Comment? On va vous faire avancer. On va quand même construire une tour, puis après on s'occupera plus de. Je suis parti. On s'occupera plus des. De l'amélioration. Ils en font combien? 105 de fer, très bien. Je suis prêt. Niveau 6. J'ai passé un niveau, du coup. C'est sympathique, c'est patoche. Donc, alors après ça, on s'occupe de ça. Ensuite, une forge. Et on commence à faire des fracasseurs. C'est comme ça que ça se passe en plus. Et ensuite, à limite, je peux juste mettre là. Et Gimli, il s'occupe d'aller chercher le. Il s'occupe d'aller chercher. La forteresse, la machine. Où sont-ils? Ils ont dit au sud-ouest. Donc bah, je pense que je reste au sud. Mais alors je risque de trouver des ennemis. Par ici. En avant. Je suis. Allons-y. Alors, je suis en route. Allons-y. Bah, je reste au sud. Hein. Je reste au bas de la carte. Par ici. Ça monte. Je suis en route. C'est elle. Ah bah voilà. Ah d'accord. Un objectif a été atteint. Ah mais elle est pas tout finie en fait. Bon, on va laisser ça là. Oh, mais pas du tout fini. Oh la vache. Terminer les réparations, d'accord. Oui. Envoyé. Je suis parti. Un bâtiment a été amélioré. Alors, ah non, c'est une forge qu'il nous faut, c'est vrai. Voilà. Quoique, je vais quand même faire une... Pareil. Ah, je peux pas. Ah oui, il me faut une forteresse. Bon, bah, c'est pas grave. Ok, avec cette vitesse-là, on aura le temps de faire... Alors la forge, on va la faire... Ici. Le combat. On va quand même en faire quelques-uns. Deux, voilà, c'est génial. Ensuite... Un bâtiment a été amélioré. Ah ouais, non, mais il va falloir plus de... Il va falloir plus d'ouvriers, là. Il va vraiment falloir plus d'ouvriers. Donnez-moi une cible. Moins de discours, plus de bataille. Alors... Et ça attaque. Vous dérangez un gars. Donnez-moi une cible. Bâtiment terminé. Je vais les mettre... la bataille. Je vais les mettre derrière les tours. Comme ça, ils prendront moins dans la figure. Donc ça a été fini, très bien. Du coup, les deux autres, on les envoie là-bas. Quoique, une forteresse, ça coûte combien? On va construire une forteresse, je pense. Et faut aussi que je m'occupe du coup. C'est quoi ça? Améliore les lanceurs de hache, d'accord. Et ça, c'est quoi? D'accord, ok. Déjà, on va voir si on peut construire une forteresse. Non, non, la forteresse c'est ça. Non, on peut pas construire de forteresse. Bon, tant pis. Voilà, on va juste s'occuper de Gimli du coup. Ensuite, on va s'occuper de ça. On va prendre ça. Et les armures. Parce que pour l'instant, j'ai pas de fracasseur. Quoi que je vais en faire quand même. Hop. 1, 2, 3. Je peux plus en faire. Et du coup, on mettra les fracasseurs en première ligne. Plus de bataille. Ce qui est assez logique. Ensuite, terminer les réparations, d'accord, ouais. Ce qui va être assez long. Donnez-moi une cible. Je ne le cache pas. Il faudra. Il faudra du coup. Ouais. Du coup, oui, je vais peut-être refaire des ouvriers du coup pour continuer. Le combat. Pour continuer le petit campement, essayer de le fortifier, sauf que le problème c'est que je pense que je ne pourrais pas remettre de tour parce que... Où est la bataille? Indiquez seulement la direction. Parce que ça rentre dans les limites de la forteresse et je peux pas faire... Ouais non, je ne peux en faire que... Je peux en faire que là. Mais du coup, est-ce que je peux... Ah mais du coup je peux... Nice ça. C'est nice du coup. Très bien. Même, alors je peux faire des campements et ensuite des tours, c'est ce que je vais faire en fait. Du coup, indiquez seulement la direction. C'est ce que je vais faire. En refaire deux. Et je vais faire des campements là-bas, comme ça je pourrais mettre des tours. Si jamais ça, les orques attaquent la machine, je pourrais quand même me défendre. Même si j'ai que Gimli. Amélioration terminée. Et du coup j'ai des améliorations qui se font. Je vais attendre le deuxième et je vais les envoyer. Alors là, ça avance comment? Ouais, c'est quand même assez long. Hop, on y va. J'attends. On en refait un. Je suis parti. Et on s'occupera ensuite de faire des petites tours pour le campement. À moins qu'ils s'attaquent pas du tout. On va quand même faire par pure précaution. Alors pour l'instant, j'ai pas du tout vu ce qu'il y avait de au nord, mais... On s'occupe d'abord de la catapulte, hein, on verra. On verra par la suite. Ah non, merde, c'est vrai, tu peux pas. Oh. faut se jouer en fait. Bâtiment terminé. Oui. Bon bah, ouais, hop. Toc. Vous combattez les orques? Il y en a d'autres vers l'ouest, vous savez. Ah, c'est l'ouvrier qui dit ça? Un bâtiment a été amélioré. Bon, alors il y en a d'autres vers l'ouest. Alors un soldat est attaqué. Parlez. Ah oui, ce sont les soldats du coup. Je m'y rends. Bon, c'est les fracasseurs normalement. Regardez, il fuit. Non mais arrêtez. Nous sommes attaqués. Ah merde. Là par contre c'est plus problématique. Donc c'est Gimli, il encaisse. Amélioration terminée. Je pense qu'on va envoyer un détachement. Ah, ils savent désormais où nous nous trouvons et ils ne vont certainement pas tarder à revenir. Préparez-vous à accueillir ces orques malodorants et protégez la catapulte à tout prix. Sans elle, nous n'avons aucune chance. Nous sommes en minorité. Non, on peut plus très longtemps, Kim, voyons. Alors oui, on va peut-être... Indiquez seulement la direction. Alors je suis en train de protéger mon campement. Ensuite c'est quoi? Ça c'est les fracasseurs. Meilleur l'attaque des fracasseurs pour endommager l'armure de la cible. Où est la bataille? Bâtiment terminé. Bon on va faire comme ça du coup. Un combat? Où ça? Bon et on va emmener les fracasseurs. Où ça se passe? Là-bas. Excellente idée. J'ai déjà deux tours qui protègent. Limite je peux en faire une autre. J'attends. J'attends. Pour l'instant je peux rien faire mais on va vite en faire une autre quand j'aurai plus de fer. Parlez. Toi t'as du fer. Je suis occupé. Ah mais c'est toi qui disais, c'est toi qui avais dit. Il y a un camp là-bas. Bon alors du coup on va aller s'occuper du camp parce que c'est peut-être de là que arriveront tous les orques. Indiquez seulement la direction. Ça avance comment? Bon ça avance tranquille. Tranquillement on va dire. Alors je ne peux pas. Oui. On va en faire ici. Il me faut du fer. Ouais, il me faut du fer pour ça. Mais alors, le fer, on a tellement peu. 3000. Oula, et en plus, dans les réserves, on était quand même à 8000, 4000, je sais plus. On était à 4000 ou à 8000, je sais plus. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir. Oula, merde. Normalement ils sont dans les tours, je vais perdre un lanceur nain, à moins que... J'en ai perdu un. Bâtiment terminé. J'en ai perdu un seul, non. Ouais. Nous sommes attaqués. On va prendre ceux qui prennent cher, on va se faire encore deux fracasseurs en un puis on va lancer... Donnez-moi une cible. On va essayer de lancer un assaut. Là j'ai plus d'amélioration à faire, là non plus. Et puis on lancera un assaut sur le camp orc en attendant que ça se fasse. Ma hache devient incontrôlable. Ouais mais du coup il faudrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui protège. Et je peux pas avoir de tour, c'est ça qui est chiant. Ou alors, ce qu'on peut faire... Parlez. Est-ce que je peux bâtir une tour? Alors déjà, je peux en faire une ici. Ouais. Allez, en faire une là. Où ça se passe? Excellente idée. J'aurais peut-être dû attendre l'autre, comme ça, ça... Parce que là, c'est un petit nain qui se balade tout seul. Qu'est-ce qu'il y a? Où est la bataille? Voilà. Immédiatement. Du coup... Ou alors on laisse Gimli là. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6. Ou alors on en laisse 3 là. Je sais pas comment on va faire. Ou alors on en refait 3. Bâtiment terminé. Où? Très bien. Très bien. On en refait 3 et on en laisse 3 ici et on prend le reste. On peut essayer de faire ça du coup. On va faire ça. On est à la moitié, on est plus de la moitié d'ailleurs. Donc ça avance plutôt bien. Au niveau du pouvoir... aveugle les unités ennemies, d'accord, ce qui est incapable de voir mes distances. La race d'incantation elfique, un chien fait pousser des régions dangereuses. Ok. Transforme le chien. Bâtiment terminé. D'accord. Et ça. Où est la bataille? C'est les ennemis. Très bien. Et ça, c'est les Ents. Et ouais, faut quand même pas mal de. Il en reste un. Voilà, on va bientôt pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a? Faire une avancée. Oh merde, ça arrive. Pour l'instant, ça ne subit pas trop d'assaut. Indiquez seulement la direction. Par ici. Voilà, on va les faire défendre là. On va peut-être mettre celui-là en arrière. On va le laisser là. Et on va en prendre un ici. Allez, c'est parti. En attendant que la catapulte se fasse, on a peut-être le temps de faire un truc. Je suis. Allons-y. En avant. Donc, j'arrive jamais à me rappeler ça. Ça étourdit les ennemis, c'est ça? Oui, étourdit les ennemis. Peut-être en avoir besoin du coup. Ça attaque là-bas. Tout de suite. Pas aucun défi. Tout ça. Voilà. Attends. Ah mais faut que... Ah mais attends, faut que je l'achète et ensuite que je le... D'accord. Là bah non, ça c'est bien merdé. Nous sommes attaqués. Vraiment, ça survit. Plus pour longtemps. Voilà, c'est bon. On détruit ça. Donc on a perdu quand même pas mal de fracasseurs dans cette bataille. Quoique... On a quand même récupéré 2 points assez... On va dire que c'est pas de refus qu'on accepte ce dépôt de mine, ce dépôt de minerais. On détruit ça, bah du coup on va déjà préparer ça. Ok, ça continue à être détruit. D'accord, oui, il fallait l'acheter et ensuite ça... D'accord. Ah mais j'avais, je pense que ça coûtait à chaque fois que tu l'utilisais. Non bah alors ouais, c'est ma faute du coup, j'ai pas... Il est niveau combien? Il a pris 2 niveaux quand même hein, c'est pas rien. C'est quoi ça là-bas? Ah mais ça attaque. Merde. Ça m'étonnerait. Il arrive. Quoique je sous-estime les nains. Moi j'ai un ouvrier qui se fait. Nous sommes attaqués. Bon, tank-toi. Je suis là. Nous sommes attaqués. Immédiatement. Non mais restez pas oisif. J'ai perdu 2 ouvriers, je vais en faire 2. Oui. Vous allez là-bas. Quoique limite vous avez pas besoin en fait. Parlez. Est-ce que je peux faire une forteresse du coup? Parlez. Ici. Très bien. Une forteresse là. Les fracasseurs, vous y retournez. Gimli va retourner là-bas. Parlez. Fracasseur, pareil. Il me semble que j'ai 2 ouvriers qui traînent ici. Ouais. Du coup, on va les emmener là-bas, on sait jamais. Votre camp est attaqué. Quoi déjà? Où? Merde, Gimli. ma hache devient incontrôlable. Voilà, il s'occupe de Gimli pour l'instant. Nous sommes attaqués. Laissez-les s'approcher. Oh la vache, ils me prennent tellement cher. Oh, et ça arrive encore. Nous sommes attaqués. Bon, ce qui est pas mal, c'est que les bâtisseurs sont quand même assez hardcore. Hein, malgré le fait qu'ils soient détruits, malgré le fait qu'il y a des orques qui détruisent leur structure, ils continuent à. Votre camp est attaqué. Ah, quand même, ils ont quand même bien pris. Ils ont quand même plus cher. Bon, voilà, du coup, maintenant. Nous sommes attaqués. La catapulte est bientôt finie. Gimli présent. Du coup, il gagne de niveau. Ah, il a déjà gagné un niveau. Il fuit, mon gars. Ça sert à rien. On finit la forteresse, et puis de toute façon, la catapulte elle est bientôt finie. Ça, c'est nice, ça. C'est très, très, très nice. Du coup, ouais, j'ai quand même bien. Bien pris dans la tronche. Bâtiment terminé. Parlez. Ouais. Comment? Par ici. Hop, j'ai regagné un seul point. Alors je me demande quand ça fonctionne ce truc de points. C'est peut-être à chaque ennemi ou alors à chaque groupe d'ennemis que tu tues, t'as un point de. Pareil. Un point, je sais pas. C'est. Ouais. Ça m'est un peu étrange. Parlez, parlez, je m'y rends. Voilà, comme ça, ça fait 2, 2. On va quand même en faire 2. Ah là, plus que 200, puis ça sera bon. Hop. Bâtiment terminé. On va continuer à améliorer ça. Il faudra vraiment faire des trous par contre là parce que. Ouais, j'attends. Ça va commencer à. Ça va pleuvoir. Je suis parti. Bâtiment terminé. Ah voilà, on a terminé. La catapulte est terminée! Donnons aux collines la couleur du sang des orques. Ce sera un avertissement lancé à tous ceux qui auraient l'idée d'envahir nos terres. Ah, nice. Ça fait des dégâts. Ah, il y a les résidus ensuite qui arrivent, c'est bien ça. Alors du coup, détruisez les bâtiments orques. Ah oui, j'ai vu des trucs. Quoi ? J'y vais. Ah oui, mais il y en a énormément, putain. Wow. Bâtiment terminé. Un mais du coup, on peut utiliser ça. Donc. La catapulte a été utilisée. Voilà. Un puits commence à s'assécher. Donc c'est le puits qui est. Ça aide quand même pas mal ça. Oh merde. Mais Gimli, qu'est-ce que tu fais? Je suis prêt. Oh mais je peux rien faire là, c'est. Nous sommes attaqués. Donc on va faire venir l'armée là-bas. Parce que de toute façon il y aura un camp, ils vont essayer d'attaquer le camp. En avant, marche! Donnez-moi une rangée d'orques! Oh là là! Laissez-les s'approcher! Je suis en route! Bon, un, deux, pour les trucs. J'ai quand même perdu plusieurs ouvriers et c'est chiant. Putain, il y en a encore! Ouais. Nous sommes attaqués. Ah là là, ça commence. Merde. Gimli, t'es où? J'avais pas prévu ça. Ah, ils nous ont bien eu. Je suis là, sans tarder. J'écoute. Où? J'y vais. Où ça se passe? Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Ils nous ont bien eu. Où ça se passe? Putain, le bait. Putain. Ah, j'ai perdu tellement d'ouvriers. Indiquez seulement la direction. Non mais c'est pas fini là, hop. Où est le combat? Tenez bon. Parlez. Nous sommes attaqués. Parlez. Je suis parti. Oh là là, merde. On va trouver là-bas. Sans tarder. Excellente idée. Oh, ça continue à attaquer. Nous sommes attaqués. Ma hache devient incontrôlable. Oh là là. Votre camp est attaqué. Où est le combat? Je vais faire quelques fracasseurs. 1, 2, 3, 4. 4 fracasseurs. Je suis parti. J'y vais. J'écoute. Un puits est à sec. Nous sommes attaqués. Un gisement de minerais tourne au ralenti. Nous sommes attaqués. Parlez. Oh non. J'ai continué à attaquer. Donnez-moi une rangée d'orques. Ah, par où ils attaquent? Très bien. Qu'est-ce qu'il... Oh là là. Est-ce que je peux l'utiliser? Oui. Oui, tu... Nous sommes attaqués. Merde. Pas que je suis ouvert. Où est la bataille? La catapulte a été utilisée. Avant qu'il la détruise totalement. Non, bah je vais laisser les hommes ici. Parlez. What? Désormais, c'est une arme digne des nains. Je ne crois pas que les orques reviendront de sitôt. La catapulte, enfin terminée, défendait un autre accès vers le royaume des nains. Aucun orque n'aurait osé s'aventurer sur des terres où le feu et les pierres tombaient du ciel. Conscient de l'échec de ces orques, Sauron rechercha un autre moyen d'atteindre les nains. Il envoya des émissaires rencontrer le roi sous la montagne, lui offrant une alliance et une grande récompense en l'échange d'informations sur un certain hobbit. Suspectant la traîtrise, le roi des nains envoya Gloin et son fils Gimli prévenir Bilbon et assister au conseil d'Elrond à Foncombe. C'est là que Gimli rejoignit la communauté dans sa quête pour détruire l'anneau unique. Bon, très bien, donc c'est la catapulte qui m'a sauvé. Alors ouais, c'était vraiment... Je me suis vraiment fait avoir quand même. Combien perdu d'unités? J'ai quand même perdu 24, c'est... Oh, oh là là, mais... Ils m'ont bien eu à chaque fois je laissais ma catapulte sans... Et bah ils en ont profité, qu'est-ce que tu veux. Messieurs, mesdames, c'était le deuxième épisode de la Guerre de l'Anneau, j'espère qu'il vous a plu. Parce que moi je me suis bien amusé quand même, c'était assez chaud, mais on a réussi. Voilà, une belle escarmouche, et on commence à... Et on commence à nous approcher un peu des événements du Seigneur des Anneaux parce que Gimli va rejoindre Elrond à Foncombe pour assister au conseil. Bien, donc du coup j'espère encore que vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à l'aimer, à partager, etc. ce que vous faites. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, mais d'ici là portez-vous bien. Allez, à cœur au revoir tout le monde. Push.